La famille de Cheribé Okende, à travers son avocat Maître Laura Onyimba, a déposé lundi 17 juillet au parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe une plainte contre Kony pour arrestation arbitraire et assassinat. Selon Maître Laura Onyimba, les circonstances et les responsables de l'assassinat rappeleux du député Okende doivent être connus. Ce Cheribé Okende a été assassiné dans des conditions inimaginables. Et la famille, après concertation, la veuve, les enfants, les pères du défunt et ses frères et sœurs ont décidé aujourd'hui de saisir officiellement la justice congolaise pour que lumière soit faite sur cet assassinat crapuleux de l'honorable député Cheribin Okende. Laura Onyimba recommande aux responsables politiques de suspendre le temps de l'enquête. Le responsable de la sécurité pour qu'il ne brille pas de piste. Ce qui nous importe, ce n'est pas un procès bâclé. Ce qui nous importe ici, ce n'est pas une gesticulation judiciaire pour orienter ou désorienter l'opinion dans tel ou dans tel autre sens. Et donc, nous, comme avocats, nous allons participer à cette activité pourvu que lumière soit faite. Les corps sont vides du député Cheribé Okende, porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, a été retrouvé jeudi 13 juillet dans son véhicule sur l'avenue Poids Lourd, commune de la Gombe à Kinshasa.